Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y avait pas Ned, il n'y avait pas Fifi, le nouvel ami. Du coup, il n'y avait que le canal semi-historique, Seb le Viking et puis et moi-même. Et il était temps de réveiller une petite Morgana support qui est chouette. C'est pas la première fois que je la ressors, mais voilà, la game s'est plutôt bien passée. Et c'est en attendant une autre game qui a un petit côté historique, hein, puisqu'on est à nouveau 5 et qu'on était connectés en même temps. Et qu'on s'est donc retrouvé en 5v5 club contre club. Et que la game était plutôt intéressante, ma foi. Donc, je vous la refais pas au ralenti. Seb est évidemment sur Garen, parce qu'il joue plus que ça. D'ailleurs, hein, voilà Seb, hein, maintenant t'as plusieurs champions... ton panel, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du Train d'Amer, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du Shogat, on voit plus Mundo. Et Isa a pris la petite Jinx que personnellement j'aime pas, hein, avec Ezreal et Gorky, c'est un peu le trio d'ADC que j'aime pas des masses. Alors je sais que c'est fort, hein, je dis pas que c'est pourri, je dis juste que j'aime pas le gameplay des personnages en fait. On se retrouve avec un Warwick jungle et une Annie mid. Annie qui va faire le café, franchement. Je l'avais pas vu sur le coup, je l'ai vu après coup en regardant la vidéo, mais elle a très très bien tenu sa lane. En face de nous, un Varus qu'on sait que c'est fort dans la méta, et une Zyra. Ça fait longtemps que j'étais pas tombé sur une Zyra. D'ailleurs, c'est en la voyant que je me suis dit moi-même, bah, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué Zyra. Mais depuis qu'ils ont nerf ces plantes, je dois vous avouer que... Voilà, voilà, ça devient un peu facile à contrer. L'intelligence des plantes est toujours pas là. Elle tape mécaniquement trop facilement les minions, il suffit de s'écarter et puis de revenir. Et moi, le problème qu'il y a avec ces plantes, finalement, c'est que même quand tu reviens pour les taper, la plante, elle se défend pas. Il faudrait que quand un champion vienne pour taper les plantes, la plante change d'aggro pour venir taper le champion qui l'agresse. C'est trop facile de faire un backstep de 3 pixels à l'écran. Il faudrait qu'elle se défende que contre les champions. Pendant ce temps en mid, Annie a Kali. Et la Annie a des très bons placements. Elle amène la Kali loin de sa zone d'invisibilité. Et elle la chope, mais tranquille, tranquille quoi. Et du coup le bouclier l'a bien aidé puisque la Kali s'est pas mal blessée. Quand soudain... arrive Jax. Voilà, c'était Jax. Lord Jungler. Alors, le positionnement était nickel, hein. Il arrive par derrière, elle est blessée. Bon, il arrive un peu tard, mais. Mais. Dans toute la partie, le Jax. Je l'ai pas senti hyper, hyper présent. Alors que d'habitude, Jax a trouvé quand même une putain de pression. Moi, mon job numéro 1, c'est de réussir des cages. Hein, parce que c'est toujours pas la plaque de Morgana qui va tuer quelqu'un. Enfin, du moins pas couramment. Par contre la cage fait toujours autant de dégâts. J'aime toujours autant pas son ulti qui met 3 secondes à se déclencher. 3 secondes, c'est 3 secondes de trop. C'est voilà, Morgana elle meurt quand même assez facilement, faut pas se le cacher. Et du coup le fait de devoir attendre 3 secondes pour stun les gars, je trouve ça très moyen.
Bon, ils nous mettent une bonne pression en early. Isa tente de ne pas perdre de CS, le tout pour le tout, donc elle se rapproche un petit peu et fatalement elle se met en danger. Pendant ce temps en top, le Warwick a fait une arrivée un petit peu ratée. Le Jax a décidé qu'il allait se venger. Vous voyez, malheureusement, c'est pas très concluant. Il flash, mais bon, flash face à un Jax, c'était pas géant. Et Garen se dit, ah ben tiens, je vais aller sauver Warwick, sauf que c'est un peu tard. Et combien de chances vous lui donnez? Pas des masses, hein. Il est dans un buisson wardé, il a plus beaucoup de points de vie. On verra la suite plus tard, parce que pendant ce temps, nous, on continue à jouer. Je vais rester en défense de la tour autant que je peux. Et vous voyez qu'en fait, si on avait regardé en bas à droite, on voyait que Garen avait réussi à buter quelqu'un. Ce qui n'était pas gagné vu comment la partie s'annonçait. Donc il traverse ses minions, il déclenche le tourbilol, il se fait stun, mais heureusement le tourbilol continue. Et les deux cons continuent à le poursuivre sous la tour. Alors qu'il n'y a pas de minions sous la tour, vous voyez, le Jax s'est vraiment avancé à deux barres de vie sous la tour, du genre lui on l'aura, sauf que c'est quand même Garen. Zira a beaucoup de plantes, donc il faut que je lui fasse éclore ses plantes. L'objectif c'est qu'il n'y en ait plus quand Isa revienne pour qu'elle puisse farm tranquille. Donc autant que ça soit moi qui me tape les petits tirs. J'ai pas de vision dans le buisson. Heureusement la plaque couvre une assez grande partie. Je récupère mon Aerie au plus vite pour qu'il reparte sur Zira. Je me fais cage. Et en fait ma seule défense quand elle arrive à me route, c'est de balancer ma cage à moi sur elle. Je sais rigoureusement d'où elle vient, j'ai qu'à suivre les plantes. Et du coup, comme elle se fait cage aussi, ben elle reste pas. C'est assez logique. Le seul truc qui est dommage, c'est que ma cage ne révèle pas. C'est-à-dire quand j'arrive à cager quelqu'un, on le voit pas dans les buissons cagés. On a juste le bruit, on a juste le sens auditif pour savoir que la cage a touché ou pas. On dodge tout ce qu'on peut. Et je recule des plantes, les plantes me tapent plus, bah c'est bon, on peut revenir les défoncer. Et ça, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est pas de la correction de bug, parce que c'est pas voulu, mais ça devrait être comme ça. La plante devrait réagir. La Zira a les défauts de toutes les Zira, y compris moi, c'est-à-dire de balancer des sorts dans tous les sens, et d'être vite low mana. Et j'ai le même souci avec Morgana, hein. Je devrais plus tenter de faire aussi l'époque à l'auto-attaque, mais... Voilà, s'approcher d'une Zira et d'un Varus pour arriver à mettre une auto, c'est pas toujours évident. Isa les retient. Garen vient de se taper Nasus, on va voir comment. De manière assez magistrale, je dois le dire. Nasus n'a pas son ulti. Garen l'a encore, c'est sûrement une question de temps. Q-spell. Rotation. Un coup de tour. Ulti, deux coups de tour. Trois coups de tour. Et quatre pour la route. Je crois que 5 ça aurait été trop. Mais c'est passé sur le fil du rasoir. Jax est toujours chez le dragon. Je sais pas ce qu'il fait. Il se le tape, on le voit là-haut. Il se le tape depuis un certain moment maintenant. C'est bon, il l'a tué.
Il vient dans la rivière, sauf que c'est le moment où la bot lane back. Donc du coup, il va remonter vers son blue. Nous, on a la lane pour nous tout seul. J'aide Isa à pusher plus vite. Peut-elle rater le canon? Non! Elle est magique. On s'avance à nouveau. Je suis en attente de ward, malheureusement je peux pas aller warder la rivière. C'est un peu à l'aveugle, hein. Mais on sait que Annie a réussi à se débarrasser, alors pas d'Akali parce qu'elle a réussi à se barrer, mais Jax. Jax arrive alors qu'Annie a son stun. Il essaye de faire demi-tour. Il aurait dû faire demi-tour, finalement il reste là. Ce qui fait qu'il se fait stun. Il se fait fear, pardon, par le Warwick en pleine fuite. Et il se prend l'intégralité des. L'intégralité des coups. Enfin c'est. Voilà. Jax. Et pourtant il avait eu le bon réflexe, hein, du genre au flûte elle a son stun, je me barre. Et non, il est resté, curieusement, sur l'accès botlane. Et il s'est fait choper par le Warwick qui revenait. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre les pièges de Jinx et Makage, on a moyen de rendre une grosse partie de la lane intraversable ou dangereusement traversable. Ça nous permettrait, parce que franchement on n'en profite pas assez, ça nous permettrait de contraindre les adversaires à être dans une certaine zone en fait. Si moi je mettais Makage et qu'elle mettait ses pièges à côté de la cage, je pense très honnêtement qu'on pourrait se permettre de les conduire exactement où on voudrait. Zira est partie des ward. Du moins ward. Je black shield Jinx qui s'est pris l'ulti. Je me retrouve seul avec Varus. Qui a la gentillesse de se prendre une cage. Zira a flash sous tour pour une raison fort mystérieuse, sans doute pour m'avoir, mais vous avez vu les points de vie que j'ai, quoi. C'est pas avec une auto qu'elle va me buter. Et Varus s'enfuit, la queue entre les jambes. Et moi je vais pas demander mon reste parce qu'un Q-spell est vite arrivé. Et surtout que j'ai pas de minion pour dodge. Retour en lane. Pour l'instant, c'est pas ultra décisif, à part la Zira qui s'est donnée en flashant sous tour. Si encore elle était morte normalement, mais en plus elle a claqué un flash pour venir tenter de me mettre une auto. Si encore il y avait eu des plantes sous la tour, j'aurais compris. Et encore, les plantes m'auraient pas spécialement tué, pas à ce niveau-là, quoi. Pendant ce temps en mid, Annie continue son duel avec Akali. Akali double buff, ce qui est pas évident. Attention, ça va pas tarder. Là, Akali doit voir ses buffs qui s'en vont. Annie a plus le stun, c'est le moment d'essayer de faire quelque chose. Ça crache de la zone de flamme, ça crache du T-Burst. Et ça se double tue. Et en fait, pendant ce temps, Annie continue à farmer au T-Burst. On s'est fait cache tous les deux, c'est pas cool. Heureusement, on a Warwick qui était dans notre rivière, mais pour l'instant, on l'a pas trop vu chez nous. C'est ward pour nous.
ira counter ward à la pink. Moi, mon job, c'est juste essayer de les faire fuir. Et là, ça va partir en sucette. Isa reste sur les plantes. Donc, je la Black Shield, je lance ma cage. Vous avez vu que la cage dure pas très longtemps. Je plaque sur la Zira. Je me fais toucher par le Q-spell. Warwick est au corps à corps, nous on pense qu'il est mort, mais en fait il n'est pas mort, il est suffisamment loin de la plante. Le Varus a flash, mais bon, pas assez et puis pour pas grand chose. La plante repasse sur moi, puis elle repasse sur le Warwick qui heureusement arrive à se sustain dessus. On le pensait mort, et ben son mouvement est passé. Je sais pas s'il a calculé, hein. Mais honnêtement, le bon qu'il a fait sur le Varus a suffi à le mettre hors de portée de la plante de Zira qui était augmentée par l'ulti, et elle frappe très vite et elles font très mal. Je pense que c'est passé un poil de cul de même. À ce moment-là, on a un léger écart de gold avec eux. On est à peu près à 3K, quoi. Ce qui est pas mal. Faut dire ce qui est. On a eu la first tour. On revient à peine du spawn qu'il y a un gros patiac qui se prépare. Je Black Shield Annie si j'ai bon souvenir. Voilà. Pour qu'elle puisse faire son taf. J'essaye d'enlever les plantes qui les poursuivent. Isa reste sur les plantes. Je crois qu'elle veut des golds. Le Warwick tente des choses. C'est pas évident. Sur le papier, on devrait se barrer. Moi, je suis mon épi. Je vois Annie qui contourne. Qui se chope Zira. Je réussis à cage à Kali chez le crapaud. Bon, le match Annie-Zira se termine assez vite. Annie va flash sur le Varus. Plus toutes les combos de la terre, et je vais venir par derrière, histoire de renforcer un petit peu les dégâts. Et puis, il n'aura pas eu le temps de mettre une auto pour récupérer le kill. Ou l'assist. Mais je pense qu'elle aurait préféré le kill. Je vais juste Black Shield Annie, des fois que quelque chose vienne la déranger pendant son TP. Et Akali s'est barré du combat et est parti très très loin chez nous pour back. Pendant ce temps, Warwick et Garen poursuivent le pauvre Jax. Mais bon, c'est compliqué à poursuivre en Jax. Ça fait des bons. Un peu comme ça, voilà. Il avait prévu, hein. Il avait clairement prévu, la ward il avait vu. Il savait qu'il sauterait par-dessus. Il se retrouve dans un buisson, il tourne, il saute sur le Warwick. Il flash pour essayer de croiser le Nasus. Ça fait une belle double mort du Nasus, enfin par le Nasus plutôt. Et Seb a juste le temps de trouver sa tour. Nasus s'est quand même pris pas mal de saleté dans les dents en attendant. Réduit au silence. Et un petit ulti pour terminer. Alors qu'il serait pas allé sous la tour. Ça aurait été nickel. Il a voulu aller trop loin. On se retrouve en mid. Annie nous indique qu'elle va aller défendre la botte. Pendant qu'on fait fuir Akali. Elle s'est fait ralentir, elle s'est fait cager, elle se prend une plaque. Bon, une fois qu'on a fait ça avec Morgana, on est un peu décoratif. Donc pour la punir, on lui supprime sa tour. On voit sur la minimap que Annie est en défense de bot pendant ce temps. Ça se passe pas hyper bien, mais ouais, faut qu'elle s'approche forcément. Elle lâche un petit burst sur Varus qui arrive à se sauver parce que c'est la mode. Et elle n'a pas réussi à dodge la cage de Zira. Ce qui fait qu'elle est restée coincée quand notre ami Varus s'est mis à lui taper dessus.
Garen revient pour retrouver son petit Nasus avec une vague de minions toute fraîche qui arrive sous sa tour. Il récupère de la thune autant qu'il veut. Pendant ce temps, moi je viens pour épauler Annie face à la Akali qui m'a vu arriver et qui décide que c'est pas le bon moment. Et que leur jungler et leur top lane nous contournent. Alors comment ça se passe quand on est contourné comme ça? Et bah déjà on met un exhaust sur le Nasus. Puis on lâche un ulti qui arrête tout le monde. Malheureusement, ils font quand même du dégât. On est en cooldown de tout pour essayer de sauver Annie, donc elle y passe. Garen revient, j'arrive à cacher le Nasus, et puis il passe sur Nasus, elle le chope. Je vais taper la plante pour qu'elle arrête de taper Epi, qu'elle puisse avancer. Varus lâche un Q-spell qui me touche, mais ça va. Garen poursuit autant qu'il peut, je le préviens qu'on est quand même très loin. Je déward, je reste dans ce buisson parce que j'ai vu Akali rentrer dans celui d'en face et je fais le pari qu'elle y est encore. Pari réussi. Akali est en partie, Garen a réussi à pas mal tapoter le Jax. Nous, on nettoie l'accès à la tour. Eux, ils sont en défense, mais bon, ils ont pas beaucoup de points de vie. On n'arrive pas à trouver l'entrée. Il y a un Coldrake. Moi, je vais rester là pour faire comme si. Qu'ils se doutent pas que tout le monde est parti faire un Drake. Annie reste, je m'en vais. Bon, j'aurai pas le temps d'arriver, que le Drake sera déjà mort. Isa se nourrit autant qu'elle peut, nous on back. Zira s'est tapé Annie en solo, visiblement. J'ai pas record le truc, donc je peux pas vous dire. Warwick au dépush. Vous voyez sur la minimap que eux restent quand même beaucoup chez eux. Ils ont un mal fou à rentrer chez nous. Ils n'ont pas touché la T1 bot. Ils ont un peu touché la T1 top, mais franchement pas des masses. Le Jax flash sous tour, idée de l'année. Et moi je suis en train d'aider notre petit viking à défendre sa top lane. On prend un peu de vue de large. Visiblement le top et le jungler jouent tout le temps ensemble parce que le Jax colle au cul. Et NLC vous présente le move le moins worse du monde. Ils sont 5. Ils sont 5 en top lane. 5 contre 2. Le Nasus se fait cage en boucle. Du coup, il a plus beaucoup de points de vie pour faire un engage sous tour. Le Jax veut pas trop y aller. Il se prend l'ulti d'Epi qui vient de loin. Warwick vient nous aider. Donc 5 contre 3. Le Warwick saute sur Varus. Et au revoir Varus. Malheureusement, vous voyez que tout le monde se rabat sur le Warwick. Et il finit, malgré une petite plante, il finit par mourir. Pendant ce temps, Garen a réussi à défoncer ce qui restait du Nasus. Il se met à poursuivre le Jax. Avec un ulti, Jax disparaît. Je l'ai Black Shield, il s'est pas fait cage. Au total, 5 contre 3, moins un Varus, moins une T2 mid. On a perdu Warwick, mais ils ont perdu Nasus, Jax, une T2 bot et une T3 mid. Parce que pendant que nous on défendait deux en top, eh ben notre équipe à nous était en train de défoncer les deux lanes, dont la tranquillité est la plus absolue. Je crois que c'est ce qu'on appelle un manque de vision de jeu.
Ah ouais, ils sont obligés de dépush, donc du coup, il n'y a plus que Zira qui poursuivait en solo, sans voir qu'en fait, toute son équipe avait fait demi-tour pour dépush la tour. Et elle est tombée sur Annie, avec T-Burst. Moi, pendant ce temps, je me suis fait poursuivre par Akali. Bon, bah, Akali, ça reste Akali, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle vous saute dessus, vous n'êtes pas nécessairement au mieux de votre forme. T-Burst va pas tarder à mourir. D'ailleurs, on ne sait pas trop où il allait. Il a des comportements un peu erratiques, le T-Burst, parfois. Alors, on mène l'assaut en mid. 4 contre 4. Moi, je suis pas là et la Akali tente de counter en haut. Ça y est, elle est en train de back. Malheureusement, elle backera un petit peu tard. On aurait eu le temps d'avoir le Jax. L'ulti de Zira a fait sauter tout le monde, mais ça suffit pas à tuer qui que ce soit. Nasus s'enfuit parce que c'est la mode. La Annie tente des mouvements de proximité hyper chaud. Elle flash T-Burst sur le Varus qui a le temps de s'enfuir. Elle se fait punir par Akali. Akali qui se prend un Fear du Warwick qui permet à Epi et à Warwick de s'enfuir pour l'instant. Warwick passe dans le buisson. Il veut pas se prendre Akali, mais qui profite des minions pour lui sauter dessus, une fois, deux fois, plus les autos. Moi je viens pour essayer de l'aider, mais il a pas pris la bonne direction, et je suis arrivé un petit peu tard. Juste le temps de récupérer la Zira en passant. Je vérifie que la rivière est pas wardée, du coup je ward. Akali vient de faire son raid très certainement. On est à peu près à 10k gold d'écart. On revient à mettre la pression en mid. Varus et son Q-spell, voilà, ils savent pas trop quoi faire. Je laisse Annie pour venir aider à la poursuite du Jax et du Nasus. Jax flash par-dessus le mur. Je ward en diagonale pour qu'on ait une vision sur ce qui se passe là-haut. Annie a son stun de près. Elle reste un peu trop longtemps. C'est bon, elle s'est pas fait gauler. Garen vient s'agiter pour faire peur. Je lâche les fantômes et c'est là qu'on voit Akali qui contourne. Garen fait le tour et on remercie Akali d'être resté un petit peu. Obligé de se barrer en loose dé. Et combat dans le couloir, qui normalement n'est pas du tout notre avantage. On se prend l'ulti de Zira, on se prend le Q-spell de Varus, mais malheureusement ça suffit pas à battre tout le monde. Garen est rentré derrière leur tour. Il a réussi à ult le Nasus. On le suit tous. Il reste que Akali qui s'enfuit parce que c'est la mode. Qui Zonia. Je prépare ma cage pour la choper au retour du Zonia. Un petit peu tard, elle a le temps de flash sous la tour. Et évidemment, à ce stade-là, c'est gagné.